Yo tout le monde, c'est Unit Production pour une vidéo en mode draft pour l'épisode 2. Et donc aujourd'hui c'est seulement un draft, pas de game, je suis désolé, j'ai vraiment pas le temps. Il est 10h dans le fond, puis la vidéo doit sortir 6h demain matin, j'aurais pas eu le temps. Donc, on fait un draft, j'ai déjà record une vidéo avant mais ça a pas marché, j'ai oublié de record ma voix dans le fond. Là moi le chiel de record a l'air de marcher comme il faut, j'en profite donc je record une couple de vidéos. À part que demain là, ben, pour vous aujourd'hui je m'en vais à Toronto, donc si vous regardez la game, la Coupe du Monde, vous allez me voir là-bas. Fait que c'est ça. Les meilleurs à la Coupe du Monde, au nord de la frontière, champion de la Coupe ou révélation. Je vais y aller avec champion de la Coupe, j'ai vraiment le goût des légendes. Bon. Matt Cullen, on a quand même Scott Gomez, c'est un joueur assez solide. J'ai même pas le goût de choisir un joueur, je pense que je vais juste garder le Gomez. Oh my god, ok. Mike Modano, Drew Doughty, Mike Bossy, Luc Robitaille. Oh. J'ai goût de starter une team de légende, fait qu'on va y aller avec Modano. J'aurais pu prendre Bossier, il est québécois, je me trompe pas. Ou Drew Doughty, un défenseur numéro 1 solide. Mais j'ai goût d'y aller avec Doughty. Donc on va y aller avec Cronwall, un défenseur qui est capable de plaquer. Fait que c'est bon. Zeno Chara, Johnny Boychuk, Tyler Toffoli. J'ai goût d'y aller avec Boychuk, je l'ai pas encore essayé. Chara, je l'ai essayé vraiment, c'est genre un des meilleurs défenseurs du jeu, même s'il est juste 87 overall. Mais Boychuk, j'ai goût de l'essayer. Krejci, Bergeron, Zetterberg, Buffalo. On va y aller avec Bergeron. Bon, deuxième centre. Ben, premier centre, mais deuxième centre dans notre club. Brand Marchand, Phil Kessel, Brent Seabrook, Jordan Saul. Kessel, ça serait un choix logique. Seabrook aussi, ça serait tellement solide. Mais Brand Marchand, pour vrai, Team Canada. Wow. Quel joueur. Ben, c'est surtout Crosby, là, mais quel joueur. Tanguy, Richardson, Yann Marson ou Darren Helm. Il y en a Alex Tanguy, pour vrai. De base, il est quand même solide dans le team. Je pense que c'est genre ancienne étoile. Là, de base, il est tellement fort. Donc, Oduya, Campbell, Kennedy, Martinez. On va y aller avec Brian Campbell, juste parce qu'il y a plus de patins. Christopher Letang, Duncan Keith, Evgeny Malkin, Jonathan Toews. Je vais y aller avec Letang. Même si Keith est solide parce que on a déjà deux bons défenseurs gauchers. Là. Campbell c'est pas tant bon là, mais c'est mieux que rien. Puis centre, on a déjà deux bons centres. Gaborik, Brower, Frolic et Dustin Brown. On va y aller avec Gaborik là, parce que c'est Gaborik. Là, une fois un allié droit. Et Verbato, c'est le seul allié droit. Alimata, Chris Cooney. On va y aller avec Phil Poula. Non, on va y aller avec Verbata parce qu'il snipe quand même. Là, c'est pas tant solide que ça, notre team. Là, c'est avec le goaler. Corey Crawford, Ilya Brizalov, Marc-André Fleury, Jonathan Quick. On va y aller avec Crawford parce qu'il est quand même Team Canada. Même si Quick, ça serait un choix logique. Et dernier choix. Oh my god, ok. Brett Hall, Niklas Lidström, Adam Foote ou Rob Blake. Rob Blake, ça serait tellement intéressant, mais je pense qu'on est obligé d'y aller avec Brett Hall parce que... on a quand même 6 défenseurs en haut de 80 overall. Puis, ça serait un def gauche comme Lidström, ça serait parfait pour enlever genre Brandon Dumoulin ou Trevor Van Rysdijk. Mais on check notre premier ailier droit, là, Radim Verbata, c'est pas solide. Puis Brett Hall, 97 de chute, c'est pas sûr qu'on va manquer ça. Bon, terminé repêchage et. On a une team 90? Oui, 90. Une team légende, dans le fond. C'était quoi? C'est les champions de la coupe, ouais. C'est quand même clean, là. C'est un bon draft, là. Un bon premier trio, là. Marchand, genre, je changerais juste Hall, ça. Ça, c'est quand même solide. Je pense que je mettrais Terevainen site, là, quand même. Donc quand même, trois trios assez solides, un dernier trio de Grinders, j'aime quand même ça. À défense, Cronwall, Letang, Boychuk, Campbell, Van Rysdijk, Dumoulin, c'est moyen. Là. Puis Dainette, Crawford, puis Murray, c'est quand même sexy. Fait que c'est tout pour aujourd'hui, ça va être une vidéo courte, fait que si on pourrait se rendre à 30 likes pour l'épisode 2, ça serait nice. Puis, prochain épisode, je suis censé faire un condensé, ça, ou un résumé des 4 games, genre dans le fond. Mais pas que ce club-là, je vais recréer un autre club. Fait que c'est ça. Fait que je vous dis ciao à tout le monde et à la prochaine.